Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en direct de quelque part sur la Terre. Il est 19h. Et des poussières. Et des poussières, Mathieu, parfaitement. C'est le tout premier JTR, l'actu des vivants qui veulent le rester. Un premier JTR qui est aussi l'occasion pour nous de proposer enfin un JT complètement indépendant, participatif et interactif aussi. Ça, on le verra tout à l'heure. Il y aura quelques petites surprises, vous allez voir. Et puis, un premier JTR qui est aussi le fruit d'un travail de longue haleine, abattu depuis quelques semaines maintenant par beaucoup de pages et de médias indépendants et engagés que vous connaissez déjà et vous nous suivez d'ailleurs sur certaines de ces pages en ce moment. Un JTR au cours duquel nous accompagne Hélène de Vestel. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors Hélène, pour te présenter rapidement, tu as jadis travaillé pour le gouvernement argentin et puis tu as fait comme Nicolas Hulot, tu as claqué la porte pour faire ton propre projet qui s'appelle Edeni. Alors en deux mots, c'est quoi Edeni? Ah, exactement, Edeni, c'est l'envie de rétablir un petit peu la volonté des personnes de passer à l'action une fois qu'ils ont été sensibilisés et donc de créer des formations vraiment multidisciplinaires où sur plusieurs semaines, on va accompagner des individus, des organisations à découvrir toutes les initiatives des chaînes qui sont là ce soir et d'assauts formidables qui permettent d'enfin passer à l'action quand on a envie de s'intéresser au changement positif. Et on en parlera d'ailleurs plus tard, notamment au cours d'une capsule que tu as réalisée pour l'occasion avec Julie Bernier. Et à ma droite, forcément, celui qu'on ne présente plus, Mathieu Duméry, alias Professeur Feuillage. Bonsoir Félicien, bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Ben, ça va très bien, je suis content d'être là. On voit les forces vives se mettre en action et c'est super cool. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre sur les réseaux. Je me présente, c'est ça? Bon, succinctement. Voilà, succinctement. Avec Lénie Chirinou, nous avons une chaîne qui s'appelle Professeur Feuillage, qui fait de la sensibilisation à l'écologie, aux causes environnementales, avec bien entendu ce qu'il faut d'humour et de sexe pour intéresser les gens et pas les faire flipper. Donc notre message est pas du tout anxiogène, du moins on l'espère. Formidable, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va évidemment recevoir aussi d'autres invités tout au long de la soirée. Il y aura Nicolas Mérieux qui va arriver, Amandine Le Breton de la FNH, Marie Toussaint qui est juriste en droit international de l'environnement. On aura évidemment des capsules, de nombreuses capsules réalisées par tout le monde. Et puis surtout, on parlait d'interactivité, eh bien, nous avons pour ce premier JTR déployé une technologie absolument abasourdissante. D'ailleurs une technologie qui peine à se mettre en marche, mais ça ne fait rien. J'ai bien l'impression... C'est du direct. Allô, qui est là? Bonsoir Félicien. Vincent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es où? C'est quoi ces histoires? Mais je suis dans une station spéciale internationale, positionnée là pour recevoir les ondes terrestres, les questions, les remarques brûlantes de nos auditeurs et les faire redescendre sur notre JTR. Alors, on est en live sur une quantité de plateformes et Félicien, je suis curieux. Tu es curieux, Vincent? Pourquoi tu es curieux? Bah, moi qui plane à des milliers de kilomètres de vous, je me demande, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent les gens? Eh bien, c'est une excellente question que tu fais bien de poser. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous qui nous regardez en ce moment, à indiquer en commentaire d'où vous nous regardez. Comme ça, on saura déjà un petit peu la qualité internationale, transhumaniste, je ne sais pas si ça a du sens de le dire, dans ce premier JTR. Et puis, Vincent, qu'est-ce qui nous attend là tout de suite, dans l'immédiat? Eh bien, allons-y, hein, on est parti pour un condensé de l'actualité du mois écoulé, c'est la revue du ciel. De mes voisins belges à mes cousins normands, des musaraignes canadiennes aux bovins des alpages romans, tout le monde a eu chaud cet été, parfois même vraiment très chaud. En Suisse par exemple, et c'est absolument édifiant, des agriculteurs ont même été contraints d'abattre leurs vaches suite à une canicule sans précédent. Quant aux singes nus que nous sommes, une récente étude menée par des chercheurs de l'université d'Hawaï montre qu'actuellement, une personne sur trois risque, je les cite, « de mourir de chaud ». En 2100, si on continue à ce rythme, ce ne sera plus une personne sur trois, mais bien les trois quarts de la population qui risquerait alors de mourir de chaud, ce qui fait plutôt froid dans le dos. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies nous alerte « un monde plus chaud est un monde plus conflictuel ». Or, la tendance actuelle est à une augmentation des températures de 4 degrés d'ici à 2100. Si l'organisation reconnaît son retard dans la prise en compte de cet enjeu majeur pour la sécurité mondiale, elle n'a pas encore adopté de mesures concrètes pour y remédier. Pas de mesures concrètes.
Moi, ça me fait penser à mon camarade Massimo Kevin, qui squatte à la maison depuis quelques temps et à qui je répète inlassablement qu'il faut réduire son temps de douche quotidien, la dernière ayant duré plus de 2 jours, montre en main. À ce débit-là, évidemment difficile d'éponger les factures d'eau, et bien qu'il me promette de faire des efforts, de l'eau saumâtre coule sous les ponts de ma patience. Un peu comme pour l'accord de Paris, d'ailleurs. Aucun pays européen n'est à ce jour aligné sur l'accord de Paris et son objectif de maintenir le réchauffement global en dessous de 1,5°. La France, pour ne citer qu'elle, elle qui figure parmi les chefs de file pour aboutir à cet accord, a décidé de s'éloigner de cet objectif. Comment ? Simplement en réduisant l'ambition de ses objectifs, et ce, en catimini pendant l'été dans les documents stratégiques en préparation, que sont la programmation de l'énergie et la stratégie bas carbone. Les reculs concernent l'isolation des logements, la production d'énergie renouvelable et le niveau de consommation des nouveaux véhicules. Et pour prolonger le chapitre moteur, parlons de ce nouvel enfumage des constructeurs automobiles à propos des émissions de leurs véhicules. À l'unisson, tel un concert de klaxons, des ONG démontrent, enquête à l'appui, que les constructeurs automobiles manipulent à nouveau les mesures d'émissions sur leurs véhicules afin de rentrer dans les clous des futures réglementations sur la réduction des émissions de CO2. Les constructeurs automobiles retombent dans leurs vieux travers et se rapprochent dangereusement de l'ornière. Quelques éclaircies tout de même dans ce ciel gris pétrole, avec entre autres un geste historique. Il nous vient d'Irlande, où le Parlement a approuvé un projet de loi sur le désinvestissement des combustibles fossiles. Ce projet de loi impose que le fonds irlandais, pesant quelques 8 milliards d'euros, abandonne tous les investissements dans le charbon, le pétrole et le gaz pour les 5 prochaines années. Une décision pleine de lucidité à l'heure où les réserves de pétrole continuent de diminuer. Vous me direz, ça va, on sait, ça fait des années qu'on nous bassine avec la fin du pétrole. Pas faux, mais cette fin se profile dorénavant à une vitesse bien plus rapide que celle anticipée par les analystes. À un point tel que les États-Unis et des responsables occidentaux envisagent le recours aux réserves stratégiques. Que l'on commence à taper dans les réserves de pétrole est une chose, mais ce qu'il faut aussi et surtout laisser tranquille maintenant, c'est notre banquise. Bordel, c'est elle qui assure l'équilibre climatique de la planète, or elle est en train de disparaître, sa superficie se réduisant de 8% tous les 10 ans. Ça correspond plus ou moins à la superficie de la France 2 fois. Qui disparaît tous les 10 ans. Et pour ne citer qu'un exemple récent, Félicien, au Groenland, un iceberg plus grand que la Croatie s'est détaché d'un glacier. Si cet iceberg ne représente que 3% de la glace qu'apportera le Groenland à la mer en 2018, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland reste responsable de l'augmentation du niveau des océans à 25%. Selon des experts, dont ceux du GIE, le Groupement d'intérêt économique, le niveau des océans devrait augmenter de 60 cm d'ici 2100, ce qui représente une menace pour l'habitat de dizaines de millions de personnes, mais aussi pour les approvisionnements en eau potable, pour les écosystèmes, et j'en passe. Oui, et puis de grandes villes côtières pourraient aussi subitement se retrouver sans internet, et donc sans la possibilité de visionner nos vidéos, ce qui est sans doute le plus dramatique dans cette histoire, tant on connaît leur qualité tout à fait désarmante. Et quand on parle de dramatique, il y en a un qui n'est jamais loin, et que je ne peux alors là vraiment plus du tout saquer, c'est le plastique. Ennemi mortel de la faune et de la flore marine en raison de ses particules, plus elles sont petites, plus elles pénètrent facilement tout en diffusant leurs polluants dans les organismes des poissons et des planctons qui peuplent notre pauvre planète bleue. Notre planète bleue dont les fonds marins restent trop peu étudiés et trop mal compris. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de terres rares de mener de grands projets, à même de causer des dégâts colossaux et irréversibles sur les fonds marins. Un peu comme si, on produisait des déchets radioactifs qui allaient durer des centaines d'années sans savoir comment les recycler. Oups, on me souffle que ça c'est déjà fait. Et maintenant, mes chers et vers amis, il est temps de vous faire vivre l'actualité de la Terre en direct et avec un parterre d'invités et votre participation pour un supplément d'interactivité. Mais avant cela, ce qu'il ne faut pas louper dans l'actualité, la séquence « On n'oublie pas » avec Vincent Verza. Parce que louper... Merci mon cher Félicien, et que de choses à ne pas oublier dans cette première édition du JTR. On n'oublie pas que le jour du dépassement, moment auquel le monde aura consommé autant de ressources naturelles que ce que peut produire la Terre en un an, arrive de plus en plus tôt, c'est arrivé le 1er août cette année. Alors, je voudrais pas dire, mais quand même le 1er août c'est un peu la moitié de l'année, hein. On fait quoi le reste de l'année? Et on n'oublie pas qu'on est en train de mourir à petit feu de la pollution de l'air, même qu'une étude qui vient de sortir montre qu'il est aussi néfaste de respirer en ville que de fumer 2 cigarettes par jour. On n'oublie pas que l'Union Européenne et le Japon ont signé le plus gros accord de commerce climaticide à ce jour
Et devine quand est-ce qu'ils l'ont signé ? Pendant la Coupe du Monde, quand on courait après la balle. Alors tu te souviens du CETA ? Bah c'est pareil ou presque, ça s'appelle le JEFTA, et on peut encore peut-être l'arrêter au Parlement européen dans les prochains mois. On n'oublie pas que malgré la démission de Hulot pour provoquer un sursaut de notre gouvernement, celui-ci s'est empressé d'envoyer des tronçonneuses pour détruire la ZAD de Kolbsheim en Alsace ce lundi 10 septembre. Le tout pour évacuer une zone naturelle et laisser Vinci construire une autoroute inutile. Ils veulent qu'on fasse quoi ? C'était juste nos terres, juste nos arbres, et pour une autoroute qui sert à rien, même les pourris d'élus, ils le savent. On n'oublie pas la loi sur le secret des affaires, qui a été définitivement validée le 26 juillet en France. Elle a pour objectif de protéger les entreprises contre le pillage d'innovations et la concurrence déloyale. Mais au bout du tunnel, on obtient un outil de censure inédit qui ne va pas aider à dévoiler les scandales environnementaux ni à protéger les lanceurs d'alerte. Cette loi est une arme de dissuasion massive pointée sur les médias, tout simplement parce qu'il y a des risques de demande de dommages et intérêts de la part des entreprises extrêmement importants. Enfin et surtout, on n'oublie pas qu'on était plus de 130 000 personnes en France et en Belgique à marcher pour le climat samedi dernier. Du jamais vu! Cette mobilisation massive montre une chose, nous ne tolérerons plus de politique des petits pas et un paquet de monde s'est réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il en sortira? On ne sait pas encore. En tout cas, un site internet a émergé. Il est encore temps.fr. Ça promet. À vous, les studios. Voilà, merci beaucoup Vincent pour cette capsule de haute tenue qui sera bien sûr à retrouver avec toutes les capsules de l'émission en découpage après la diffusion de celle-ci tout au long de la semaine sur la page du JTR. Je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir notre premier grand thème de discussion de la soirée. J'adore. À savoir la biodiversité. Et même la destruction de la biodiversité, ce qu'on adore un petit peu moins. Et pour ce faire, nous allons accueillir sur le plateau Amandine Le Breton, qui est directrice du pôle scientifique et technique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Générique. Déforestation, pollution des sols et des eaux, fragmentation des habitats, rejet massif de gaz à effet de serre, chasse, pêche, élevage intensif. C'est tous ces éléments-là qui participent à l'érosion de la biodiversité. Autrement dit, c'est la fin progressive de la diversité des espèces vivantes et de leur caractère génétique. Selon les scientifiques, nous serons concernés par deux menaces principales pendant les 50 prochaines années : l'intensification agricole et le changement climatique. Deux phénomènes qui représentent déjà aujourd'hui les principales sources d'érosion de la biodiversité. Une biodiversité dont l'état n'a cessé de se détériorer depuis les années 50 et depuis l'industrialisation à outrance. Pour éviter de détruire nos champs, de détruire les espèces, pour éviter aussi de détruire notre santé, il est urgent de comprendre et d'agir. Comprendre quoi ? Agir comment ? Questions clés qui trouveront peut-être réponse auprès des invités de notre premier JTR. Ils vont discuter entre eux et peut-être avec vous. Avec en filigrane, un enjeu de taille, le maintien du potentiel évolutif de la planète et de la vie sur Terre. Oui, et d'ailleurs, on parle souvent d'érosion de la biodiversité, mais qu'on soit bien d'accord sur le fait que ce n'est pas le vent qui caresse la dune et qui la sculpte. Ici, il est bien sûr question de la destruction de la biodiversité, donc de son anéantissement, de son effondrement à la limite. Peut-être juste rappeler un chiffre avant qu'on se lance dans la discussion tous ensemble. À ce stade, on considère que d'ici à 2050, entre 38 et 46% des espèces animales et végétales de la planète pourraient disparaître. Donc en 2050, c'est vraiment bientôt, c'est dans 30 ans, la moitié du vivant qui disparaît de la surface du globe, qui s'anéantit, qui part en fumée. Amandine, bonjour. Bonjour. C'est pas forcément une super ambiance pour se rencontrer, mais je pense qu'on va essayer de quand même d'avoir du baume au cœur et d'échanger tranquillement tous ensemble. Donc tu travailles pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, ancienne Fondation Nicolas Hulot, et pour paraphraser justement le ministre sortant de la transition écologique et solidaire, quand il a démissionné de façon assez fracassante, il disait « La biodiversité fond comme neige au soleil, et c'est notre boîte à outils pour l'avenir qui est en train de disparaître. » Pourquoi la boîte à outils ? Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de définir la biodiversité dans des termes assez barbares. Hein. On parle de milieux, d'écosystèmes, d'espèces, etc., de gènes. Donc c'est les interactions de tout ça qui font la biodiversité. On dit le tissu vivant. Mais en fait, pour se rendre compte de ce qu'est la biodiversité, en effet, la boîte à outils, c'est un bon terme, puisqu'en fait, la biodiversité nous apporte des biens et des services. Donc dans les biens, c'est des choses très concrètes. C'est notre alimentation, par exemple. Ça, c'est issu
directement de la biodiversité, les médicaments, l'oxygène, puisque les plantes font de la photosynthèse et donc nous donnent cet oxygène. Et puis, il y a aussi des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Par exemple, le traitement de l'eau potable ou encore la pollinisation. On entend beaucoup parler de la pollinisation parce qu'en fait, il y a 70% des cultures sur Terre, donc des cultures qui servent à l'alimentation, qui ont besoin d'être pollinisées, donc par des abeilles, des pollinisateurs, pour pouvoir se reproduire et donc nous fournir en alimentation. Donc c'est vraiment une boîte à outils, et ce dont on se rend compte, c'est que si on perd peu à peu ces outils-là, on est nous-mêmes en difficulté, puisqu'on ne peut plus se nourrir, se soigner, etc. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, on surconsomme cette biodiversité, on la surexploite, et donc on considère aujourd'hui que on utilise 1,7 terres pour répondre à nos besoins. Donc on voit bien qu'on est vraiment en surcharge, et c'est ça qu'il faut faire comprendre, parce que la biodiversité, ça reste un sujet difficile à appréhender si on ne parle pas des choses du quotidien. Un sujet difficile à appréhender, mais désormais observable. C'est-à-dire que, comme on a la courbe du CO2 qui augmente, qu'on peut observer depuis maintenant quelques décennies, on peut nous-mêmes, au quotidien, c'est pas virtuel. On les voit, les insectes disparaître, on les voit, les oiseaux disparaître, et nos forêts devenir complètement silencieuses, la biodiversité du littoral aussi. C'est quoi les chiffres par rapport à ça ? Alors déjà, une observation que tout le monde a pu faire, hein, les plus anciens d'entre nous auront remarqué que il y a 10 ans, quand on faisait un trajet de 500 km en voiture, on voyait un certain nombre d'insectes s'écraser sur le pare-brise. Ouais. Voilà. Ce qu'on observe beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de très direct et que tout le monde peut faire un peu au quotidien. Donc ils meurent autrement qu'écrasés sur le pare-brise. Exactement. Et de manière beaucoup plus importante. Mais donc en fait, oui, on peut observer aujourd'hui la perte de biodiversité. Il y a la perte des milieux, donc des milieux qui se dégradent aujourd'hui. On considère que 60% en 50 ans, 60% des milieux sur la Terre ont été dégradés. Donc ils ne sont plus à même de fournir les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure. On déboise 13 millions d'hectares de forêts par an, qui est la surface de la Grèce. Donc on voit bien que ça a un impact important pour les populations et puis pour les animaux. Et puis aussi, on sait en effet comptabiliser, voir cette chute d'espèces. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui parlent de la 6e extinction de masse. Oui. Donc la précédente était celle des dinosaures. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à un effondrement, donc une accélération incroyable justement de l'extinction. Et sur un laps de temps très court. Sur un laps de temps très court, je vois ici en Asie centrale, près de 42% des animaux terrestres et des plantes qui ont disparu en l'espace de 10 ans. C'est ça. Et c'est cette accélération qui fait la particularité de la perte de biodiversité. La biodiversité, de fait, évolue. C'est sa définition. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des espèces qui sont apparues, qui ont disparu. Mais ça, c'est dans un temps long. Ce qui fait que toujours, ça s'est adapté petit à petit. Or là, de par les activités humaines, puisque c'est ça la cause, ce sont bien les activités humaines depuis 150 ans, on a une accélération massive. Donc le WWF parle de fois 1000 à fois 10 000 fois plus importante qu'une extinction naturelle. Et donc on est vraiment dans une crise majeure de biodiversité aujourd'hui. Mais alors justement, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes qui vont nous dire « Oui, mais enfin, on observe plus de 12 000 espèces de fourmis, par exemple, à ce jour. S'il y en a 10 000 qui disparaissent, ça en fait toujours 2 000 espèces et voilà, ce serait pas gênant. » C'est déjà bien, 2 000. Surtout pour des fourmis. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement que la vision de la biodiversité seulement sur l'espèce peut nous amener à avoir des calculs, enfin justement une approche mathématique des choses. Or, la biodiversité, comme je disais, c'est pas seulement ça. C'est notre capacité, c'est la capacité des écosystèmes, donc des milieux dans lesquels on vit, à s'adapter à des changements. Et donc le changement auquel on va devoir s'adapter de toute façon, c'est le changement climatique. La résilience. Exactement, la fameuse résilience des écosystèmes. Et donc si on perd un certain nombre d'espèces qui ont une place dans ces milieux, le milieu s'appauvrit et devient moins résilient, et donc nous-mêmes on est moins résilients. Donc c'est pas seulement une question de chiffres et de nombre d'espèces qui diminuent, c'est un peu plus complexe que ça. Alors j'ai cru entendre notre téléphone sonner. Il a sonné. Formidable, il ressonne encore une fois, donc comme quoi vous êtes nombreux à réagir sur les différents directs de ce JTR. Allô Vincent ? Bonjour Félicien. Tu as une question pour nous ? Tout à fait, c'est un big bang de réactions sur les réseaux, on peine à suivre. C'est fascinant, il y a des réactions, il y a des questions aussi, et une des questions qui m'a semblé pertinente et à faire remonter, c'est face à tout ça, face à cette destruction de la biodiversité, est-ce qu'il y a des choses que les personnes qui nous regardent peuvent faire à leur échelle, ou est-ce que c'est seulement des mesures vraiment larges, à une échelle plus large, qui sont nécessaires ?
Est-ce qu'on peut agir à échelle individuelle ou est-ce que forcément il faudra prendre des merci Vincent au passage ou est-ce qu'il faudra forcément prendre des décisions au niveau des États? Alors comme toujours il faut les deux, mais puisque la cause est justement l'être humain qui par ses actes au quotidien fait perdre cette biodiversité, de fait les solutions sont aussi là. Et du coup pour chacun il y a plein de choses à faire. Et la première chose, parce que c'est du quotidien, c'est l'alimentation. Quand on dit il vaut mieux manger des produits bio, etc. C'est pas juste pour développer un marché. C'est parce qu'aujourd'hui, les produits bio, c'est pas de pesticides et pas d'OGM, etc. Donc, ça a un impact directement sur la biodiversité, puisque une des causes de la biodiversité, c'est les pollutions humaines. Donc, en termes d'alimentation, c'est assez direct. Il y a aussi manger de saison, il y a manger des variétés différentes. On parlait des fourmis, mais c'est pareil pour les tomates. Il y a des dizaines et des centaines de variétés de tomates. Et ça contribue à favoriser la biodiversité. Et ben on reviendra aussi sur ce point, justement, les solutions. On va évidemment l'étendre un peu plus, parce que c'est crucial, cette question-là, dans une autre partie de ce grand thème qui est consacré ce soir à la biodiversité pour ce premier JTR. Je vous propose de regarder maintenant la première capsule réalisée par Envers et Contre Tout par rapport à cette question de la destruction de la biodiversité. On regarde. La disparition des espèces. D'après le WWF, le rythme d'extinction serait 1000 à 11 000 fois plus rapide que le taux normal de disparition observé dans la nature. Et tout ça à cause des activités de l'humanité. Dans 24 heures, près de 150 espèces supplémentaires auront disparu. Des animaux en tout genre, mais également de nombreuses variétés de plantes ou de champignons. Et oui, il n'y a pas que les chanteurs de légendes qui ont tendance à s'éteindre plus fréquemment. Et chaque année, on estime que 26 000 espèces passent ainsi à la trappe dans l'indifférence générale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, un mammifère sur quatre est menacé de disparition dans un futur proche, de même qu'un oiseau sur huit ou encore un conifère sur quatre. Et comme tout est relatif, la disparition d'une espèce engendre un déséquilibre de l'écosystème et donc de nouvelles disparitions. Prenons un exemple. Imaginons qu'une espèce d'oiseau s'éteigne pour X ou Y raison. Conséquence, le nombre d'insectes et de vers dont ils se nourrissaient va augmenter puisqu'ils n'ont plus de prédateurs. Ces vers et insectes doivent eux aussi manger et l'accroissement de leur nombre va probablement conduire à l'extinction d'autres espèces qui leur servent de nourriture, et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup à Envers et Contre Tout, merci beaucoup à Leïla Rolli aussi de Suisse pour avoir réalisé cette capsule. Et puis, par rapport donc à cette destruction sans précédent de la biodiversité, on parle donc de sixième extinction de masse, la question qui semble légitime de se poser avant toute chose, c'est comment c'est possible, comment en est-on arrivé là à une telle catastrophe? Alors c'est clairement lié aux activités humaines, c'est-à-dire qu'on observe ça depuis 100 ans, 150 ans, lié au développement économique, industriel, etc. Donc les causes sont clairement humaines, c'est clairement nos modes de vie, nos modes de consommation qui sont à l'origine de ces pertes de biodiversité. Alors il y a plein de sujets, il y a d'une part la surexploitation des ressources. Je vous parlais tout à l'heure du nécessaire 1,7 terre pour couvrir nos besoins. Mais le bon exemple, c'est celui des stocks de poissons. Aujourd'hui, on surexploite 80% des stocks de poissons. Donc on comprend bien que ça, c'est pas tenable. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des milieux. Donc avoir construit un certain nombre de routes, d'autoroutes, etc., d'infrastructures de vie pour nous déplacer, bouger, manger, fait qu'on a grignoté finalement l'espace naturel. Et ça, clairement, c'est dommageable pour la biodiversité. Le troisième sujet majeur, ce sont les pollutions. Donc ça, c'est un sujet dont tout le monde a entendu parler, notamment des pesticides. Un exemple clair, c'est qu'on a interdit en 2002-2003 l'atrazine en France, qui est un herbicide qu'on retrouvait dans l'eau majoritairement. On le retrouve aujourd'hui encore dans l'eau, 15 ans après. Donc en plus, il y a une rémanence, une présence des pesticides qui durent très longtemps et qui dévastent l'ensemble des milieux. Donc cette question des pollutions est essentielle. Et puis enfin, il y a une forme de cercle vicieux entre biodiversité et changement climatique, puisque le changement climatique lui-même détériore les milieux et les rend de plus en plus fragiles. Typiquement, c'est l'acidification des océans qui fait qu'on perd des récifs coralliens. Donc on comprend bien un cercle vicieux qui s'emballe entre réchauffement climatique, perte de biodiversité, et donc perte de résilience, et donc moins d'adaptation au changement climatique. Donc clairement, les causes sont humaines, et c'est en lien direct avec nos activités depuis un siècle, on va dire. Amandine, il y a aussi d'autres petits facteurs d'effondrement de la biodiversité. Je pense notamment aux espèces invasives, qui sont aussi le symptôme d'une humanité qui ne maîtrise pas, qui joue un peu aux apprentis sorciers. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'impact sur la biodiversité de ces espèces invasives? Alors tout à fait, c'est intéressant les espèces invasives parce que c'est à la fois une conséquence de nos activités humaines, c'est-à-dire qu'on a appauvri les écosystèmes, donc ça laisse une place à des espèces qui n'avaient pas de place avant de
prendre tout l'espace. Et en effet, c'est aussi une cause de perte de biodiversité, puisque du fait, elle ravage tout. Donc, ce qu'on observe, c'est les espèces invasives qui vont dans des espaces qui n'étaient pas les leurs. Typiquement, voilà, en France, on a la chenille processionnaire du pin, qui est assez connue, qui remonte petit à petit vers le nord. Et on a des arbres, des écosystèmes qui sont absolument pas adaptés pour se défendre. Et donc la vitesse avec laquelle monte la chenille processionnaire fait que les écosystèmes n'ont pas pu s'organiser finalement pour s'adapter à ça. Et ça, c'est assez typique en fait des espèces invasives aujourd'hui. Mais on parle souvent du dodo, par exemple. Le dodo, on impute sa disparition. Pas la saumure. On avait dit pas ce genre de blague. Oh bah je sais pas, je me dis on est entre non, nous. Dodo la saumure, si j'adhère. Le dodo sur l'île Maurice a disparu. Alors on l'a souvent imputé à sa disparition à l'homme qui l'a chassé, mais c'est surtout le rat, le macaque et les cochons qui sont allés bouffer les œufs et les dodos. Et voilà, c'est quand même hyper important. C'est très symbolique ce dodo. C'est le number one des disparus, quoi. Tout à fait. Et donc là, on comprend bien que à partir du moment où c'est dérégulé, en fait, ben voilà, la nature de fait ne s'auto-régule plus dans le temps. Et donc, à un moment, il y a un choc qui fait qu'on perd en équilibre. Et surtout, en général, on a du mal à contextualiser au niveau individuel, c'est l'importance de cette chaîne de valeur et de cette écosystémie, finalement, qui est absolument nécessaire. On ne pourrait pas imaginer un monde où, quand les feuilles tombent des arbres, il n'y a absolument rien qui se passe, pas d'humus qui peut être créé parce que pas de vers de terre. Et on observe ça dans nos terres. En France, où il y a de moins en moins de vers de terre, on est passé de 2 tonnes à presque rien sur des mètres cubes. Et ça, c'est comment vous pouvez réussir à faire comprendre à l'individu l'importance de cet écosystème à préserver et que chacun doit garder sa place, même si l'être humain est considéré aussi comme une espèce invasive. Alors c'est clairement un besoin de sensibilisation. Enfin, des émissions comme celle-ci sont très intéressante pour ça, parce que parler de biodiversité, ça paraît un peu pompeux, mais en effet, c'est vraiment du quotidien. Donc, par son alimentation, on peut faire en sorte de faire des choix de produits qui sont issus d'une agriculture qui favorise les sols. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en détériorant la biodiversité, on se tire une balle dans le pied. Et ça, c'est le bon exemple. À un moment, si on veut s'alimenter bien demain et tous, si possible, il va falloir garder des sols sains. Donc je pense qu'il y a des exemples comme ça qui parlent aux gens, qui sont à même de leur parler, et qu'il faut travailler, qu'il faut expliquer, et puis sur lesquels il faut agir concrètement. Je voudrais juste dire pardon Félicien. Est-ce que tu veux... on a le téléphone, c'est ça? Oui, on a le téléphone. Juste après, peut-être. Je t'en prie. Vincent, quelle nouvelle ? Oui, Félicien, eh bien effectivement, les discussions que vous avez parlent à énormément de gens. Il y a beaucoup de réactions sur Positiveur, sur la page de Monsieur Mondialisation, qui essayent de chercher des solutions. Les gens sont prêts à changer de comportement. On privilégie par exemple une agriculture biologique, avec certaines nuances dans le fait qu'il y a certains pesticides quand même dans l'agriculture biologique. Et surtout, on privilégie ne pas aller dans les grandes surfaces, dans ces grands supermarchés qui... eux sont en faveur de l'agro-industrie qui consomme de plus en plus de terres et qui détruit effectivement la biodiversité en France et partout dans le monde. Vincent, les spectateurs du JTR ne sont évidemment pas des spectateurs du JTR pour rien, parce que c'est exactement là où on a tous envie d'en venir finalement. C'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est de voir un peu qu'est-ce que l'on peut en faire de tout ça, de toutes ces informations. Tu parlais d'agriculture, je propose que tu lances la prochaine séquence, Hélène, qui va parler d'agriculture justement. Eh bien tout à fait, nous allons voir tout de suite une capsule présenté par Le Biais Vert, qui est un média indépendant belge absolument formidable, qui produit un travail d'une qualité exceptionnelle que je vous laisse découvrir tout de suite. On regarde. Plus de la moitié des semences mondiales est contrôlée par 3 entreprises. Syngenta, DuPont Pioneer et Monsanto, rachetées récemment par le géant des pesticides Bayer. Ces entreprises ont donc la main sur le garde-manger du monde, ce sont elles qui décident de ce qu'il se trouve dans votre assiette. Et dans votre assiette, on n'y trouve plus grand-chose. La FAO estime qu'en moins d'un siècle, 75% des variétés de fruits et légumes comestibles ont disparu de la surface du globe. Ce phénomène s'appelle l'érosion génétique. Mais comment est-ce possible? Pour le comprendre, il nous faut faire un peu d'histoire. Or F. Newman, mets-nous la musique de « Un peu d'histoire ». Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, les industries chimiques se sont développées à vitesse grand V. Il fallait que la technologie évolue vite pour bien fracasser la gueule de l'adversaire, à coups de super gaz flambant neuf et de belles grosses bombes à la pointe de la technologie. Malheureusement, la guerre un jour s'est terminée. Plus de gueule à fracasser. Il fallait donc bien faire quelque chose de ces nouvelles industries pour éviter la catastrophe économique. C'est là que commence ce qu'on appelle la révolution verte, une transformation en profondeur de l'agriculture mondiale sur base de l'évolution technologique.
Les paysans allaient devenir des entrepreneurs, comme dirait l'autre. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Laisser de côté leur vieux tracteur pour lui préférer des machines plus performantes et se lancer dans la merveilleuse aventure des engrais chimiques, herbicides, fongicides, insecticides, Patrick Timsid. Sans oublier les nouvelles graines OGM, organismes génétiquement modifiés pour résister à ces poisons et améliorer le rendement des plantations. Voilà donc Amandine, par rapport à la capsule que l'on vient de voir concernant l'agriculture, le changement du modèle agricole et ce que ce modèle agricole produit aujourd'hui comme effet non seulement sur l'environnement mais aussi sur les hommes et les femmes qui travaillent la terre, qui sont les personnes qui aujourd'hui sont les premières victimes finalement de ce modèle, les agriculteurs, les agricultrices. Qu'est-ce que l'on peut dire justement de ce changement de modèle, de son implication dans la destruction de la biodiversité et comment pouvoir, comme voulaient le savoir nos spectateurs, comment pouvoir endiguer ça à terme? Alors clairement, l'agriculture a une large part hein, dans cette perte de biodiversité. En France, l'agriculture, c'est la moitié de la surface française. Donc on comprend bien son impact. Et par ailleurs, l'agriculture d'aujourd'hui importe du soja OGM d'Amérique du Sud, donc à l'origine de déforestation. Donc il y a quand même des impacts, pas qu'au niveau français, mais aussi au niveau international. Donc oui, l'agriculture a un impact, mais c'est aussi une solution. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place une agriculture qui valorise des variétés, qui les multiplie, par exemple. On peut mettre une agriculture qui réintroduit un certain nombre d'espèces, qui associe élevage et culture. Voilà, il y a des agricultures aujourd'hui de ce style, ce qu'on appelle l'agroécologie ou l'agriculture biologique, qui existent et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc nous, concrètement, en tant que citoyens et consommateurs, c'est l'acte d'achat qui nous permet d'agir trois fois par jour, finalement. Donc je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est acheter des produits bio, notamment parce qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse, mais c'est aussi des produits sans huile de palme. Si on mange de la viande, c'est des animaux nourris sans OGM. Donc la première étape, c'est de regarder, de comprendre ce qu'on mange, comprendre ce qu'il y a dans notre assiette, et à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a un cercle vertueux et qu'on peut faire mieux. Mathieu ? Oui, pour les plus jeunes d'entre nous, souvent, et pour pouvoir constater cette perte de biodiversité, il faut avoir vécu un peu. Moi, j'ai 36 balais, et c'est vrai que je l'ai observé à mon échelle. On parlait des pare-brise tout à l'heure. Moi, sur la côte basque, il y avait des oursins, il y avait des algues, il y avait des poissons, des crevettes que j'allais pêcher. Et du coup, j'ai constaté cet effondrement-là. Et du coup, il y a aussi une prise de conscience individuelle. C'est-à-dire que maintenant qu'on a constaté ça, quand je vois tous les étés des petits gamins qui partent avec leurs épuisettes aller faire chier les poissons, j'ai envie de dire non, parce que là, en fait, il n'y en a déjà presque plus et vous allez les finir. Donc, quel est le modèle de communication qu'on peut avoir pour que les gens, et on parlera de chasse aussi, pour que les gens disent on va arrêter de flinguer les animaux à titre individuel, sans parler des industries polluantes. Alors, c'est vrai qu'il y a, peut-être un outil qui est l'outil de l'émerveillement. Vivre dans la nature, avoir une relation à la nature qui est celle déjà de l'observation, c'est une première étape. Et clairement, nous, à la FNH, on a développé pour ça un outil qui s'appelle J'agis pour la nature. Et l'objectif, c'est de mettre en lien des associations qui ont besoin de bénévoles une heure, une journée, une semaine pour faire des choses, ramasser des déchets ou observer ou restaurer des milieux. Et puis des gens qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas par où commencer et pas quoi faire. Donc, mettre en lien cette offre et de demande de bien pour la nature, c'est déjà une première étape. Et nous, on est persuadés que c'est un premier pas vers une attention qui est nécessaire, comme vous le dites. Mais c'est vrai qu'il y a des milliers d'actes qui sont importants. Chez soi, moi, je pense, en termes de solutions, si vous avez un jardin, de laisser des zones effectivement un peu vierges et surtout diverses, entre un tas de bois, entre un hôtel à insectes, entre une zone où on ne va pas tondre, entre une petite mare. Et puis, de se rendre compte qu'effectivement, avec cet émerveillement, on n'a pas besoin d'aller au parc zoologique forcément pour aller regarder des espèces, mais de réapprendre à nos enfants, aux jeunes et même à nous-mêmes d'aller tout simplement marcher en forêt, près d'une rivière et de s'émerveiller de ce qui est là déjà et de pratiquer un petit peu ce qu'on appelle l'antispécisme, qui est un mot un petit peu barbare et encore méconnu, mais qui montre que finalement on n'a pas besoin de faire de lien entre, de concours entre qui est l'espèce la plus importante, que le panda est forcément à sauver alors que les fourmis justement on n'en a rien à faire, mais de se dire que toute vie est un miracle sur Terre et que finalement chacun a sa place et qu'on peut admirer... admirer chaque espèce pour ce qu'elle est et chaque individu aussi. Voilà, je crois qu'on peut faire tous les gens. On reviendra justement aussi sur le thème de l'agriculture et du changement de modèle, de comment on pourrait le faire, mais je pense que le téléphone il sonne vachement fort, on va donc y répondre.
Vincent, ça va? On t'a pas fait patienter trop longtemps? Mais mon cerveau grésille tellement je reçois d'ondes d'éthériens. C'est-à-dire qu'il y a une pluie de réponses à ce que vous dites. Ça fait réagir. Énormément de gens sont d'accord. Il faut effectivement, comme le dit Nicolas sur la page Facebook de Permavenir, plus d'écologie à l'école, des potagers pour les gamins, propose aussi sur la page Facebook de Monsieur Mondialisation Marianne. On a aussi des questions, parce qu'on dit changer de comportement, certes, mais pour bien manger, il faut des thunes. Exact. Et des fois, lorsqu'on n'en a pas, c'est bien un problème, nous dit Tom. Et surtout, une question clé de Loïc sur la chaîne YouTube de Partager C'est Sympa, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour sur la perte de la biodiversité? Peut-être on commence sur la question des capacités individuelles à changer son alimentation et à changer ses modes de vie en fonction de ses moyens financiers et aussi du cadre dans lequel on vit. Et puis on parlera aussi de l'éducation et du point de non-retour qui est une question épineuse, mais c'est une vraie question aujourd'hui. Alors en effet, les produits bio, c'est un peu plus cher, faut pas le nier. En revanche, il y a des impacts sur la société qui sont moindres. Normalement, on a une société en meilleure santé, etc. Mais je peux comprendre qu'individuellement, acheter des produits bio, c'est un pas plus difficile à franchir. Mais il y a des premiers pas qui sont intéressants, qui sont ceux de manger des produits de saison, par exemple. C'est très impactant positivement sur la biodiversité, de ne pas manger des fraises en hiver, ou en tout cas de faire attention. Voilà, ce type de choses qui sont des premiers pas et qui ne sont pas forcément plus chers. Une petite astuce quand même pour pouvoir essayer de se permettre quelques produits bio, on peut aussi réduire un peu sa consommation de viande. Donc c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour le climat. Voir la réduire beaucoup. Chacun appréciera le curseur. C'est là que tu voulais en dire. Oui. Voilà. Si, je suis complètement d'accord. Voir l'arrêter complètement. Et de fait, c'est une marge de manœuvre économique pour acheter d'autres choses et voilà, et manger autrement. Donc il y a aussi une réflexion sur ces modes de consommation de manière globale. Et puis il y a aussi une réflexion de essayer, alors même si évidemment c'est pas simple à court terme d'acheter du bio en se disant oui, il y a plus de nutriments, mais c'est vrai que si on réfléchissait un petit peu plus à acheter le prix par nutriment plutôt que le prix au kilo, on s'aperçoit qu'une pomme bio, de préservée, va avoir peut-être 100 fois plus de nutriments qu'en aurait une pomme totalement pesticidée. Et puis surtout, c'est sur le long terme pour sa santé. Si on cuit les aliments, parce que s'ils sont crus, bon, ça, les pesticides ont peu d'impact. Néanmoins, ça en a énormément au niveau de la terre, au niveau de cette biodiversité. Donc d'avoir cette conscience écosystémique est vraiment très importante, même si c'est moins évident. Il vaut mieux réduire un peu ses proportions, acheter mieux, mais moins, pour s'y retrouver en termes de budget. Et puis par ailleurs, il y a des moyens aussi pour faire en sorte d'un peu démocratiser aussi ces types d'alimentation. Et c'est pour ça que nous, on travaille par exemple beaucoup sur les cantines. Parce que c'est 8 millions de repas par jour. Je vais juste vous demander de parler. Oui, plus... C'est 8 millions de repas par jour. Et donc ça, c'est des enfants de tout niveau social, etc. Donc si les collectivités, l'État, l'ensemble des collectivités font en sorte de donner une alimentation bio à ces enfants, c'est aussi leur permettre d'avoir une alimentation saine et qui réponde aux enjeux dont on parle aujourd'hui. Et par rapport au point de non-retour dont parlait Tom, je pense, c'est ça, sur la page de Mission Mondialisation? Très bonne mémoire. Alors moi, clairement, je ne suis pas partisane de la théorie de l'effondrement, en tout cas pas tout de suite. Donc je pense qu'on peut encore faire beaucoup de choses. Et le phénomène, certes, s'accélère, mais aujourd'hui, on a encore des capacités très intéressantes. On a encore des écosystèmes autour de nous qui fonctionnent pour une grande majorité d'entre elles. Mais clairement, il va falloir agir très, très vite maintenant. On a atteint le point de non-retour sur certaines espèces, et notamment pas seulement par la disparition pure et simple, mais aussi par manque de diversité génétique. Ouais. Je pense notamment à un cas très intéressant, c'est le pigeon migrateur d'Amérique, qui encore au 19e siècle, tu pouvais avoir pendant 500 km des pigeons migrateurs qui partaient du Canada et qui allaient vers le sud, vers le Mexique. Et ils se faisaient tirer parce que c'est très pratique et ça permettait aux gens de se nourrir. Ils les ont tellement tirés qu'il n'y en a plus. Il en restait. Sauf que ce pigeon migrateur avait besoin d'une diversité génétique pour subsister, pour éviter la propagation des maladies. C'est ce qui s'est passé avec le bison aussi. Maintenant, les bisons qu'on a dans le nord américain, ils sont tous malades. Donc, il y a plein d'espèces comme ça, comme les baleines, qui vont manquer de cette diversité génétique, même si elles perdurent, même si elles ne sont pas forcément très, très en danger. Ben justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mathieu, je vous propose de regarder tous ensemble un extrait de Professeur Feuillage. Est-ce que vous connaissez Professeur Feuillage? Oui. On regarde Professeur Feuillage. Sur notre planète, certaines zones sont des explosions de vie encore très méconnues. C'est le cas des fonds marins, mais aussi de la jungle tropicale primaire. Quand on déforeste des forêts entières, on bousille à la fois des espèces visibles comme les oiseaux, les amphibiens et les singes, mais aussi tout un tas d'espèces minuscules non encore répertoriées. En 1980, au Panama, une étude a révélé la présence de 1200 espèces de coléoptères, dont 80% inconnues des chercheurs sur seulement 19 arbres. Vous imaginez la perte sur un hectare et sur des millions !
Mais la destruction des habitats, c'est aussi l'assèchement des zones humides, l'urbanisation du littoral, le chalutage en eau profonde, les pratiques agricoles qui érodent les sols et transforment les rivières en torrents de boue, l'activité minière qui enfouit des biotopes entiers sous des millions de tonnes de gravats, et encore la pêche à la dynamite sur la grande barrière de corail. La destruction des habitats, j'aime ça. Voilà, toujours brillant, toujours très drôle, même si le fond de l'histoire, bien sûr, ne l'est pas tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on vient de voir dans cette capsule, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que des dizaines de milliers, voire des centaines, voire des millions d'espèces encore inconnues, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir, disparaissent de par cet effondrement de la biodiversité lié aux activités humaines. Donc c'est aussi une perte au niveau du savoir, au niveau de la connaissance du monde. Enfin, de la pharmacopée. De la pharmacopée. Pour notre médecine. Voilà, donc c'est absolument catastrophique. Hélène, tu voulais intervenir. Oui, justement, je me demandais si, au-delà de cet effondrement qu'on observe, en tout cas de cette érosion de la biodiversité, c'est pas un système entier qui provoque de facto cette surexploitation. Donc on parle du capitalisme qui prône une croissance effrénée qui, dans tous les cas, va emmener encore plus de pertes de biodiversité dans les années à venir. Clairement, c'est clairement un modèle qui se veut, voilà, j'achète, je consomme et je jette, qu'il faut donc linéaire, qu'il faut complètement arrêter. Donc c'est le fondement justement du capitalisme et qui entraîne cette surconsommation. Donc oui, il y a, bon, on parle souvent de changement de paradigme, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut repenser un système où l'économie n'est plus une fin en soi, mais au service d'un mieux-être de tous, d'une meilleure santé, d'une meilleure alimentation, de se sentir bien chez soi. Et ça, c'est vraiment une inversion de valeur. C'est certes, on a du mal à mettre en place, mais on y travaille. C'est ce qu'on appelle la décroissance. Alors décroissance, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de changer. Elle a dit le mot Voldemort. Et attention, peut-être on dira aussi le mot effondrement à un moment, mais ça, c'est pas encore le foufou. Commençons par décroissance. Mais donc décroissance peut-être, mais ça peut aussi être la croissance de bien-être, la croissance de biodiversité, etc. Donc on peut aussi avoir un discours positif autour de croissance, décroissance, voilà, qu'on oppose souvent, qui permet de d'aborder les choses, mais on peut aussi trouver d'autres indicateurs qui sont plus positifs. Au niveau de la biodiversité, on a parlé beaucoup des espèces animales, de la faune, mais typiquement en France, je ne sais pas comment vous communiquez dessus à la FNH, on n'a plus de forêt, on a des champs, d'arbres, c'est de la monoculture d'arbres. Comment on peut faire justement aujourd'hui pour, parce que ça accueille hein, cette biodiversité, elle est accueillie dans nos forêts, comment on peut faire pour avoir plus de diversité au niveau de la flore? Alors, sur les forêts en particulier, c'est le même raisonnement qu'on peut appliquer entre les forêts et l'agriculture, finalement. C'est-à-dire rediversifier, parce que là, tu parles de plantation. Donc, clairement, on a choisi d'introduire une seule espèce de plantation d'arbres. Donc ça, c'est pareil, c'est repenser la forêt comme un écosystème et pas juste comme un stock de bois potentiel dans 50 ans. Donc tout ça, c'est les changements de mentalité pour comprendre que ça nous sert aussi, nous, à terme. Et c'est pas juste un bien qui est le bois. Mais du coup, c'est vraiment de penser que les écosystèmes doivent se diversifier eux-mêmes pour contribuer à créer cette biodiversité. Et alors, très concrètement, au niveau national, quand on a une loi pour interdire le glyphosate qui est bloquée, comment on peut quand même continuer d'agir? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait bloqué puisqu'on y travaille. La loi alimentation est en cours. Donc, voilà, il y a encore la pétition. Il y a une pétition qui est actuellement partagée par plein d'assos. Mais clairement, le soutien des citoyens, notamment sur des pétitions, peut être vraiment déterminant. Je vais prendre l'exemple du pesticide tueur d'abeilles qui s'appelle pesticide néonicotinoïde, qui a été interdit au 1er septembre. C'est parce qu'en 2016, on s'est mobilisé en interasso, qu'on a appelé les citoyens à se mobiliser avec nous, qu'on a recueilli 700 000 signatures, que ça a vraiment permis de faire changer les choses et de faire voter cette loi, cette interdiction. Et là, clairement, c'est un exemple concret du fait qu'un geste et qu'un soutien à un moment peut aider une cause plus grande. D'où l'importance des réseaux sociaux, du coup. D'où l'importance des réseaux sociaux qui nous appellent une fois encore, grâce à Vincent dans la station spéciale. Quelle nouvelle, Vincent? Eh bien oui, Félicien, si vous n'osez pas le mot effondrement et décroissant, je peux vous dire que nos auditeurs, eux, l'osent tout à fait, car beaucoup de personnes, dont Tiffen sur la page Facebook du JTR, nous confirment que c'est tout le fonctionnement de notre société qui doit changer pour répondre à cet effondrement de la biodiversité. Il y a eu des bonnes idées aussi de Camille sur le JTR encore. Quand on achète en vrac, c'est moins cher, même le bio. Et encore un bon conseil. Même la viande. Même la viande. Et un bon conseil aussi. C'est une blague. N'achetez pas de viande.
si on arrête de gaspiller un tiers de ce qu'on produit, bah, le bio suffit largement pour nourrir tout le monde. On me conseille aussi de rester dans l'espace pour éviter le réchauffement climatique. Je te remercie, Nicolas. Amandine, par rapport à ce que vient de dire Vincent. Mais en effet, la première chose à faire, c'est de réduire le gaspillage. Un tiers de ce qui est produit est jeté. Donc on comprend bien que toute l'énergie qu'on a mise, l'énergie financière, l'énergie lumineuse, les minerais, etc., pour produire cette alimentation, est de fait mise à la poubelle. Et même au-delà de l'alimentation, 99% des ressources qui sont extraites de la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Ce qui prouve bien que ce n'est pas efficace. Je veux dire, le modèle actuel qui est en train de tout détruire, de traiter les gens en esclavage et de faire que la biodiversité se délite et fond sous nos pieds, ce modèle-là, il n'est même pas efficace. Il ne permet même pas de produire quelque chose qui fonctionne. Non, parce qu'on a une vision finalement à très très court terme. Donc c'est rentable à très court terme, mais ce n'est pas du tout rentable pour la société et les êtres humains à long terme. Et ça, vraiment, voilà, il faut rentrer dans cette économie circulaire qui est de dire, OK, on construit, on produit quelque chose, on le fabrique, mais l'ensemble de ces composantes, à la fin de la vie de ce produit, pourront être réutilisées. Et ça, c'est vraiment aussi un changement de il faut un changement de paradigme, il faut un changement de modèle et il est urgent. Et il est urgent, c'est maintenant. C'est maintenant ou c'est jamais, ou c'est en plein dans la figure. Merci beaucoup Amandine Le Breton. Donc je rappelle que tu es directrice du pôle scientifique et technique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-Fondation Nicolas Hulot. Vous lui remettrez évidemment nos amitiés. S'il veut venir un jour s'expliquer... Nico, tu viens quand tu veux. Il est vraiment le bienvenu. Hein. Nicolas, vous êtes vraiment le bienvenu. On aura un Nicolas tout à l'heure. Je pense pas que c'est le même Nicolas. C'est Nicolas Mérieux peut-être. Peut-être c'est Nicolas Mérieux. Ouais. Un petit peu plus d'humour. Voilà, on verra. On verra. Peut-être un petit mot, si vous voulez prolonger le thème de la biodiversité, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Permavenir, qui est donc à l'origine aussi de ce JTR, et notamment une vidéo qui concerne directement la biodiversité. Permavenir, qui organise dans les écoles des ateliers de vulgarisation pour les plus petits. Hein. On parlait dans les questions avec Vincent, on parlait de l'éducation et du fait qu'il faudrait plus d'activités comme celle-là pour pouvoir évoluer. Et donc, n'hésitez pas à aller voir l'émission Permacole de Permavenir. Et on enchaîne tout de suite avec ta séquence, Hélène, que tu as faite avec Julie. Voici la séquence « Zéro déchet ». On oppose souvent la réduction de sa poubelle individuelle aux grandes causes écologiques et a fortiori au mouvement de résistance climatique. Pourtant, le zéro waste, zéro déchet et zéro gaspillage, c'est bien plus que ça. Non seulement parce que s'interroger sur tout ce qu'on peut éviter et optimiser, eh bien nous fait s'interroger sur tous les secteurs de notre consommation. Mais en plus, cela permet d'avoir un impact systémique, c'est-à-dire qu'une action dans un domaine peut avoir un impact positif sur un autre domaine par effet d'engrenage. Donc oui, votre poubelle peut sauver la biodiversité. Alors, comment ? Nos déchets, même si très bien triés en bas de nos immeubles, ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Et pour 500 kg de déchets qui arrivent en bas d'immeuble par personne et par an, ce sont presque 3500 kg de déchets industriels cachés. Par exemple, une brosse à dents d'environ 30 grammes génère 1,5 kg de déchets cachés. Pour extraire la matière première, fabriquer le plastique, la brosse à dents, la cheminée, etc. Et c'est presque 2 tonnes de déchets pour une bague en or ou un ordinateur. Et tout ça en bout de chaîne participe grandement à l'érosion de la biodiversité. Chaque année, ce sont 20 milliards de tonnes de plastique qui terminent dans les océans, dont 80% viennent directement de la Terre, ce qui participe à la mort d'environ 1,5 million d'animaux marins. Alors autant les tortues et les oiseaux marins qui vont ingérer, s'étouffer avec ces sacs plastiques, que aussi des organismes planctoniques qui vont mourir de l'injection de ces microplastiques, voire même de l'acidification des océans entraînés. Alors il est déjà important de constater qu'on est capable de ne plus avoir de poubelles, de réduire ces 500 kg de déchets par personne et par an. Et en plus de se rendre compte que derrière ça, ce sont des ressources par tonne qu'on va gaspiller et surtout des écosystèmes qu'on va mettre à mal. Alors pour sauver la biodiversité, libérez-vous des déchets! Voilà, merci beaucoup Hélène, merci à Julie aussi qui est au-dessus de nous dans cette toute petite stress room de 10 mètres carrés où ils sont 45.
Donc tu disais, vous disiez ensemble, libérez-vous des déchets. Est-ce que tu as rapidement quelques trucs et astuces, voire même Amandine, Mathieu, est-ce que dans vos vies respectives, vous avez des petits machins qui vous permettent d'être un peu économe en machin? Bah, j'en ai plein. On a même une chaîne YouTube dédiée. Alors ça va être difficile de résumer en un mot. T'as 3 heures devant toi, Félicien. Non, mais en 15 secondes. Le premier geste, moi, je dirais que c'est vraiment la gourde. Voilà, pour pas avoir de bouteilles d'eau en plastique qui vont être jetées et, comme on le disait dans la capsule, qui vont terminer in fine dans l'océan et tuer énormément de biodiversité. Et c'est pas uniquement pour la contamination des décharges à ciel ouvert qu'on aurait. Donc voilà, s'il faudrait commencer par quelque chose, je dirais la gourde. La gourde. Moi, je dirais les verres en plastique. Bon, c'est un peu le même sujet, mais voilà, si vous bossez dans des boîtes, etc., imposez le mug. En plus, ça peut être très sympa. Vous avez d'ailleurs un mug spécial, professeur Feuillage, qu'on ne pourra pas montrer ici. Non, pour des... C'est plus... Ouais, tu vois auquel tu fais allusion. D'accord. C'est ce mug-là. Oui. Le très gros. Non, moi, j'ai décidé de... Très tôt, avec Léni, on a décidé de supprimer les objets complètement inutiles. Et il y en a. Je vous jure que sans coton-tige, sans sopalin, sans... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ballon de baudruche. Sans ballon... Les ballons de baudruche, c'est bien un truc qui sert à rien. Voilà, des choses qui ont qu'une seule vie, d'une manière générale, ça ne sert à rien. Ensuite, bon, bah, les emballages, ça prendra le temps que ça prendra. Mais, ouais, plutôt du vrac, hein. Merci beaucoup, Mathieu. On va te remercier. Merci. J'avais une dernière petite question. Oui, vas-y. Pour ou contre les zoos, qui sont quand même des zones de maintien de la biodiversité, même si c'est quand même pas très éthique. On a pu sauver des espèces grâce aux zoos. Oui, mais c'est pas très éthique. Merci. Tu voulais pas, parce que le prochain thème arrive à grandes enjambées. Il s'agira de la justice climatique. Avant de laisser ta place à l'insubmersible Nicolas Mérieux, est-ce que tu as un commentaire à faire dessus? Oui, j'ai un commentaire. Lors du lancement du Tour Alternativa, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me parler du problème qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, du Probo Koala. Juste un mot, le Tour Alternativa, tu peux dire ce que c'est? Alors le Tour Alternativa... Oh la vache! Moi je sais ce que c'est, mais pour tout le monde. Alors le Tour... Oh, vas-y, c'est hyper compliqué. C'est des gens qui partent à vélo faire le Tour de France, voilà. pour informer les gens sur les bonnes actions et sur les choses à faire, à ne pas faire. Et ils arrivent à Bayonne le week-end du 6, 7 ou 8 octobre pour la grande fête à laquelle on participera, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que tu y as appris? Oui, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont parlé vu qu'on va parler de justice climatique, ils m'ont dit parlez-en. On n'a pas fait de chronique avec Léni depuis lors, mais sachez que depuis maintenant 2006, il y a des procès qui sont en cours autour de l'affaire Probo Koala. C'est un navire des Pays-Bas, oui, qui transportait des produits bien dégueulasses, je la fais courte, et qui ont été à Bakou, pas la ville, le déverser dans les décharges autour d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a eu 100 000 victimes, il y a eu des morts, il y a eu des intoxications, et ça fait maintenant, depuis 2006, qu'ils se battent. Et la justice et la boîte en question qui est cette espèce de pavillon de complaisance pourri qui s'appelle Trafigura, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'ils serpentent pour, et vous en parlerez tout à l'heure avec Nico et votre invité, ils serpentent pour ne pas avoir de responsabilité dans cette affaire. Ils préfèrent allonger les thunes. Et donc voilà, j'avais une pensée pour eux, j'avais promis que j'en parlerai, si vous pouvez en parler, si votre intervenant... On va essayer donc d'en toucher un mot à Marie Toussaint, qui va nous rejoindre dans un instant. Marie Toussaint, qui est juriste en droit international de l'environnement, présidente de l'association Notre Affaire à Tous, qui bataille justement pour que la justice climatique ne soit plus qu'une utopie, mais une réalité pour les générations à venir, et qui est d'ailleurs accessoirement candidate aux prochaines européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine Le Breton. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle scientifique et technique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous savez où la trouver. Et on se retrouve une autre fois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce tout premier JTR. Et on lance tout de suite le deuxième thème, la justice climatique. Si ça fonctionne. Protéger l'environnement de tous ou les intérêts économiques de quelques-uns? Ce choix d'apparence simple est loin de l'être dans la réalité de notre monde. C'est pourquoi la justice climatique est un véritable enjeu pour établir l'équilibre. Cette injustice est criante quand on sait que 10% des habitants les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'à l'inverse, la moitié la plus pauvre de la population n'en a émis que 10%. Ou encore quand on apprend que seulement 100 firmes sont responsables à elles seules de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Le pire, les pays les plus pauvres sont souvent les plus exposés aux effets néfastes du dérèglement climatique et n'ont pas les moyens financiers pour y faire face. Comment respecter les limites planétaires? Comment demander justice contre le comportement meurtrier de certaines multinationales?
Comment redonner des moyens de pression aux populations les plus vulnérables pour défendre leurs terres? La justice climatique et la justice sociale sont intimement liées. L'enjeu est de redonner le pouvoir au peuple face à la cupidité d'une minorité. À vous, JITER. Nous sommes toujours en direct pour ce tout premier JITER, en direct un peu partout, sur Facebook et sur YouTube, et nous venons de recevoir la visite de Marie Toussaint. Bonjour Marie. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble, oui, dans le micro ce sera encore plus efficace. Bonsoir. Mais qui est là? Bonsoir. Mais c'est quoi ces histoires? C'est un bon moment. Salut. Je suis Bonsoir. Un petit peu en retard, hein, je suis désolé. Mon successeur. J'ai regardé très bonne première mi-temps. En tout cas. Merci, bravo. Merci. Bravo. Tu vas voir, il fait très chaud dans ce studio, Nicolas. Tu rejoins Mathieu pour la seconde mi-temps? Bah, avec plaisir. Tu le remplaces? Alors, carrément. Je le remplace carrément, oui. Bon, ben Mathieu, salut. Hein. Tu sais que c'était gênant parce que je pensais que t'étais à poil. Non, ça m'aurait pas étonné de connaissant, mais bon. C'était pour avoir un accès plus facile pour moi. J'en reviendrai peut-être mettre le. On ne vous montre rien de ce qui se passe sous la table. Merci, longue vie au JITER. Eh bien, salut Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Ça me fait plaisir d'être avec vous. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous pour donc parler de la justice climatique. C'est un thème qui te parle. Qui un te sujet ô combien, comme tout le monde le sait, désopilant. Bien sûr. Il faut le dire. Et d'ailleurs, Marie affiche déjà un large sourire sur son visage pur et serein pour parler de cette justice climatique qui va peut-être nous faire baisser d'un petit cran au niveau de l'ambiance formidable qu'il y a maintenant, mais on va essayer d'en parler, on va essayer d'en parler quand même sereinement de cette justice climatique qui est aujourd'hui plus un rêve qu'une réalité, Marie. Oui, on peut dire ça. En même temps, faut dire oui plus vite, sinon on va flipper. Il y a des gens qui regardent. Il faut vraiment dire oui. Non, il faut dire non. Il faut dire c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, et en même temps, ça peut être une réalité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se battent et qui se lèvent pour faire vivre la justice climatique un peu partout dans le monde. Et donc, comme ça, on va pouvoir la construire. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas une réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que à la fois, on a des rapports de pollution qui sont très différents au niveau international. Ce qu'on voit, c'est que les plus riches polluent 28 fois plus que les plus pauvres. En fait, les chiffres, c'est 50% de l'humanité pollue à hauteur de 10% notre atmosphère, et inversement, les 10% les plus riches polluent 50% de notre atmosphère. Et on rappelle donc que faisons partie des 10% les plus riches. Hein. Bien sûr. On fait tout fait partie des 1%. Les riches, exactement. Les 1%, alors les 1%, je ne sais pas, surtout mais moi. En tout cas, voilà, les 10% les plus pollueurs, ça c'est sûr. Et il y a une inégalité qui est forte au niveau international, mais aussi au niveau national, où on voit qu'en fonction de si on est un homme ou une femme, un pauvre ou un riche, un blanc ou un non-blanc, on est soumis à, effectivement, différents, ce qu'on appelle les préjudices climatiques. Ça veut dire que, par exemple, l'eau monte sur notre maison quand on habite en bord de rivière ou au bord de la mer. Et bien ça arrive plus souvent aux pauvres. Par exemple, on a des chiffres pour la Grande-Bretagne où on sait qu'en Grande-Bretagne, 16% des plus pauvres habitent en zone inondable contre 1% seulement pourtant, des plus riches. Saint-Tropez, Cannes... Alors, en France, on voit qu'il y a un petit temps de décalage au démarrage, quoi. Effectivement, quand on regarde le prix des maisons au bord de la mer, il ne fait qu'augmenter contre toute logique. Donc moi, je vous dis, attendez un peu, le prix va baisser bientôt. Le petit conseil immobilier du JITER. Alors, une information que je lis maintenant dans mes notes, dont je prends connaissance à l'instant, ce qui traduit d'ailleurs un professionnalisme de très très haute tenue. Non, je plaisante bien sûr, hein, c'est Nicolas qui déteint sur moi. Le mercredi 27 juin dernier, les députés français ont inscrit la préservation de l'environnement, dont la protection de la biodiversité, et l'action contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de la Constitution. Est-ce que c'est là de nouveau une mesure symbolique pour faire une sorte de label vert sur l'action d'un gouvernement qui est loin d'être exemplaire en termes d'environnement, de protection de la nature? Ou est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose, cette reconnaissance-là? Alors d'abord, la question du symbole, elle n'est pas petite. En réalité, moi, quand je parle de la Constitution française, ce que je dis, c'est que c'est un peu comme chez vous, dans votre maison. Vous mettez un règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, il y a le fait de ne pas mettre de la nourriture par terre, et puis le fait d'aérer. Parce qu'en fait, si on n'aère pas, ça sent mauvais. Si on laisse de la nourriture par terre, ça pourrit, et l'un alimente l'autre. Et donc, le règlement intérieur de la maison, c'est la manière dont on vit ensemble dans la maison, entre les parents, les enfants, les colocs, les cousins, les cousines, etc., il est essentiel. Et donc, symboliquement, on est dans une modification essentielle de la Constitution. Par contre, ce que ça va nous permettre aussi, c'est que quand les députés, les sénateurs doivent adopter des lois pour la protection de l'environnement, souvent, à l'heure actuelle, le Conseil
Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel leur répondent « Attention, il y a des intérêts économiques à préserver ». Et donc, si on arrive à changer la Constitution, parce que pour l'instant, on est au début de la procédure, et donc ça a été adopté à l'Assemblée le 27 juin, mais on a encore peut-être plusieurs mois, peut-être un an de travail de l'Assemblée avant que ce soit finalement adopté. Si on va au bout de la procédure, eh bien peut-être qu'à la fin, effectivement, la protection du climat et de la biodiversité sera l'élément majeur pour juger de est-ce qu'on met en œuvre des projets ou pas. On peut rappeler la durée, tu as dit combien de temps de procédure ? Peut-être un an, je ne sais pas, c'est en fonction de la discussion entre les différentes chambres. Et du coup, je vous invite par là même à signer l'appel pour une constitution écologique que vous pouvez trouver sur notreconstitutionécologique.org qui recense déjà près de 15 000 signatures et on a besoin de vous et de tout le monde pour pouvoir faire vivre cette proposition. Et on mettra bien sûr le lien de l'appel sur la page du JTR. En parlant d'appel, il y en a un juste maintenant, Vincent. Big bang de réactions sur les réseaux sociaux. Je suis débordé et en même temps quel plaisir de lire cet engagement. Je réalise que beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce qu'il est possible de concilier démocratie et arrêt de la consommation de masse, car beaucoup de personnes qui nous regardent font le lien entre notre consommation, effectivement, nos smartphones, nos derniers vêtements fabriqués en Chine, et cette injustice entre notre confort et la pollution générée pour l'obtenir dans des pays loin de nous. Alors comment concilier tout ça ? Excellente question. Excellente question, en effet. Il y a un sujet qui est important quand on parle de démocratie, c'est la préservation des droits de chacun. Et en réalité, quand on porte atteinte au droit à la santé, parce qu'effectivement l'air est trop pollué, et c'est très en lien avec le réchauffement climatique, quand on porte atteinte au droit à la propriété, je vous donnais tout à l'heure l'exemple des maisons qui disparaissent sous les eaux, c'est actuel aujourd'hui en France, il y a des bâtiments à Soulac-sur-Mer dont les gens ont été expropriés. Voilà, toutes ces questions-là, ce sont des questions aussi de démocratie, c'est la préservation des droits. Et par ailleurs, je vais peut-être poser une question en retour, mais quand notre environnement est pollué, aujourd'hui, on peut très peu saisir la justice. En fait, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on appelle l'accès à la justice, qui est un élément essentiel dans une démocratie, eh bien celui-là, il n'existe que très peu en matière d'environnement, pour les forêts, pour le climat, pour les océans, pour l'accès à l'eau douce. Et donc, en réalité, quand on se bat pour le climat, on se bat pour préserver à la fois les droits humains et la capacité de participer à la vie collective. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos comportements individuels. Évidemment, il faut les changer, mais ce qu'on observe aussi, c'est que depuis 1988, il y a seulement 100 entreprises pétrolières et du ciment sur la planète qui ont émis des gaz à effet de serre. Ça veut dire que la première des choses à faire, c'est de leur faire réduire leurs émissions, et donc on est à la fois dans un changement individuel, mais surtout dans un changement des plus grands responsables. Et c'est là où on va pouvoir agir le plus vite. Et ben justement, on va en parler donc de la justice climatique pour réguler le pouvoir des multinationales et appliquer le principe de pollueur-payeur. Je vous propose de se retrouver tout de suite après cette capsule signée un certain Vincent Verza. C'est où, c'est là. Quand tu pollues, que tu pues et que d'autres payent pour ta pollution au prix de voir leurs îles disparaître sous les eaux, leur gagne-pain et leur culture aussi, ça s'appelle l'injustice. Mais quand tu pollues, que tu pues et que tu payes pour permettre aux plus faibles d'atténuer les effets et de s'adapter aux conséquences du changement climatique, ça s'appelle la justice climatique. C'est un peu comme si t'étais inondé chez toi à cause d'une fuite d'eau du voisin. T'as rien fait pour mériter ça et tu peux rien y faire parce que la solution est pas entre tes mains. La COP23, c'est un peu comme un syndicat de copropriété finalement. Tout le monde vient gueuler à propos de ses problèmes et ça dure des plombes parce que personne veut payer pour venir en aide aux autres. En vrai, c'est tous les habitants de l'immeuble qui pourraient se bouger parce qu'une fois que les fondations sont touchées, c'est l'immeuble en entier qui s'effondre. Je laisse le dernier mot de la fin de ce vlog sur la justice climatique aux Anglais. Merci beaucoup Vincent. Et peut-être quelques bonnes nouvelles avant de se relancer un petit peu dans la discussion. Mais on voit en ce moment que certains gros pollueurs qui étaient des petits payeurs jusqu'à présent commencent à être un petit peu inquiétés. On le voit avec les différents procès de Monsanto par exemple, qui a récemment perdu face à un petit jardinier américain sans prétention qui les attaquait parce qu'il était atteint d'un cancer et qui a gagné son premier procès. Bon, Monsanto a fait appel, on verra ce qu'il en est. Combien un cancer du coup ? Un cancer, ça coûtait, je sais pas, 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, d'accord, pour un cancer, d'accord. Oui, ce qui est... Voilà, parce que vous savez pas quoi faire de votre vie. Et un cancer, à mais c'était aux États-Unis. 289 millions de dollars, pour être plus précis, donc, que Monsanto devrait
versé à un jardinier américain s'ils perdent en appel. On espère, bien sûr, qu'ils perdront. Autre bonne nouvelle, celle-là date de ce mois-ci. Un juge qui a anéanti l'injonction de Monsanto contre Avaaz, la plateforme citoyenne en ligne. Le juge en question avait déclaré qu'il y aurait pu avoir un effet d'intimidation terrible en ajoutant qu'aucun membre ne souhaiterait voir sa vie privée ou ses activités exposées au grand jour et a littéralement donné à Monsanto une leçon de démocratie et de liberté d'expression. Tous les documents que je cite seront bien sûr mis en ligne sur la page du JTR. Nous sommes dans une transparence. C'est sourcé. Hein, je vois, il y a les liens. Il y a les liens à HTTPS. Donc, par rapport... Donc, on me dit dans l'oreillette, parce que j'ai une oreillette bio, en véritable sel de carte. Rendez-vous demain sur la page du JTR. Mais donc, Marie, par rapport à tout ça, comment faire pour que ceux qui polluent le plus puissent, à terme, être ceux qui en payent les pots cassés et réparent un peu leurs bêtises? En tout cas, c'est extrêmement important. Alors, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais juste pour donner un exemple, en 2017, on a compté 330 milliards de dollars de catastrophes naturelles. Je suis sûre que vous ne réalisez absolument pas à quoi ça fait référence en vrai. Ça moi fait non beaucoup, plus. Beaucoup, beaucoup de kebab. Le chiffre est tellement énorme et c'est beaucoup de cancers surtout. Mais ceci étant dit, il y en avait moins de la moitié, peut-être même seulement un tiers, qui était couvert par les assurances. Ça veut dire que derrière, pour l'instant, eh ben, c'est nous qui payons. Et partout autour de la planète, c'est les citoyens qui payent. Donc on a un véritable sujet. Et effectivement, on voit émerger des pistes. C'est pour l'instant des pistes, on n'a pas encore de vraies victoires. Mais en tout cas, on a de plus en plus à la fois de collectivités, comme aux États-Unis, on en a une trentaine, des comtés, par exemple en Californie, mais aussi des villes comme New York, comme Auckland, un petit village Kivalina en Alaska, qui portent plainte contre les multinationales les plus grandes, les 100 plus grandes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui leur demandent effectivement de réparer les dégâts que ils ont causé. Pour New York, la demande qui a été formulée, c'est celle de 19 milliards de dollars, qui est l'équivalent de la catastrophe Katrina. Mais il y a mieux. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des associations, comme les Amis de la Terre aux Pays-Bas, qui ont porté plainte contre Shell, et le procès est en cours de déroulement, et on espère qu'ils vont gagner. Mais il y a aussi cet agriculteur péruvien, donc un petit agriculteur qui a des champs en bas d'un glacier, qui a porté plainte contre RWE, qui est la plus grosse entreprise énergétique allemande. Et là aussi, pour la première fois, la plainte a été jugée recevable, admissible en Allemagne. Et c'est un grand pas pour la justice climatique et pour la démocratie. Et un petit pas de Péruvien. Et bien sûr, cette très très bonne blague, Nicolas. Oui, Vincent, tu veux intervenir sur la blague que vient de faire Nicolas? Pas du tout, non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Merci Vincent. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une grande gravité et un grand constat qui est tiré sur les réseaux. C'est Patricia sur la page Monsieur Mondialisation qui nous dit « Mais finalement, est-ce que notre droit à consommer est plus important que notre droit à vivre dans un environnement sain ?» Est-ce que c'est pas comme ça finalement que se pose la question? Surtout que derrière, une prise de conscience de Anne-Marie sur la page Permavenir nous dit « Ben oui, mais le problème c'est que toute action en concurrence avec la croissance, donc par exemple toute action pour éviter la destruction de l'environnement, sera interdite. » Marie, par rapport à ça? Ça mérite réflexion, apparemment. Pas tellement, ça va. le droit à consommer, on a dit tout à l'heure... En France, ici chez nous, on fait partie des 10% qui polluons 50% de la planète. Le droit à consommer, oui, il faut le défendre. Il faut le défendre pour tout le monde, sur l'ensemble de la planète. Or, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on consomme trop, ça a des impacts sur les autres populations du monde et donc on empêche d'autres de consommer. On parlait tout à l'heure des téléphones portables, des tablettes, etc. Alors on s'éloigne un peu de la question du climat, mais ce qu'on sait, c'est que si on voulait que chacun puisse avoir accès à un téléphone autour de la planète, il ne faudrait plus que nous ayons qu'un seul écran par ménage, par famille, ici en France et dans tout le reste du monde. Et bien, on arrête nos métiers, nous, quoi. Exactement, ouais, parce clairement. Que ici j'ai vu, il y a beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de micros et beaucoup de téléphones, donc il faudrait arrêter, mais en vrai on peut savoir vivre avec beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui, et la protection du droit à consommer, elle doit être réelle pour tout le monde. Ce qu'on voit par exemple cette année, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, la faim augmente de nouveau dans le monde, et voilà, ça fait une éternité qu'on n'avait pas vu ce chemin-là, et que la cause directe en est le réchauffement climatique.
Mais alors justement, il y a un paradoxe dont on parle peu et j'aimerais avoir votre avis dessus, qui est que quand on parle de justice sociale et justice climatique, on a envie effectivement d'aller s'adresser aux plus riches, aux 10%, et de leur dire, bah voilà, c'est vous qui polluez le plus, donc c'est vous les premiers qu'on a envie de former, et chez Denis, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, de leur dire, bah voilà, c'est vous qui polluez le plus, donc c'est à vous de réduire d'abord. Mais de l'autre côté, on oublie que la justice climatique et sociale veut aussi dire qu'on ne doit pas laisser les autres rester dans leur petite pollution parce qu'on considère que c'est pas énorme, comme dans les bidonvilles à Buenos Aires où j'ai eu cette expérience de voir que tous les matins au petit-déj il y avait des enfants qui étaient nourris avec des bouteilles de Coca-Cola et des pailles en plastique et que eux aussi en fait ont le droit d'avoir quelque part les réflexions bobos de se dire on va vivre avec un savon de Marseille pour se laver tout le mois des pieds à la tête et avoir une paille en bambou plutôt qu'en plastique. Et finalement il y a toute une réflexion de sobriété heureuse, comme le dirait Pierre Rabhi, qui finalement doit toucher peut-être d'abord au niveau statistique les riches, mais auxquels ont le droit aussi en termes de bonheur, parce que d'être écologiste, justement, dans les solutions positives, on a toujours l'impression que oh là là, c'est contraignant, on va devoir réduire notre niveau de vie, alors que pas du tout, ça peut être super réjouissant, et au contraire, on peut l'améliorer, comme on le disait sur les cancers. À partir du moment où on a éliminé tous ces produits plastiques chez soi, sa conso d'être rivé sur un écran toute la journée, on a moins de perturbateurs endocriniens, moins de phtalates, plus de vie et finalement plus de bonheur aussi. Donc c'est important d'aller toucher toutes ces populations-là. Nicolas, peut-être par rapport à ça ? Non, je juste regardais Hélène et je me disais qu'elle est bien plus à même et prête au réchauffement climatique. Je ne vois pas aucune goutte de sueur sur son corps. Alors, elle est en train de mourir. Ça, c'est vrai. C'est flippant, je ne sais pas comment. Et encore, vous n'êtes pas dans la pièce avec nous. Alimentation vivante. Effectivement. Peut-être qu'on pourrait maintenant poser la question parce que le temps passe vite et malheureusement, on n'a pas toute la soirée devant nous, mais peut-être une fois, on fera une nuit du JTR. La question des inégalités nord-sud qui coulent de source, évidemment, quand on parle de justice climatique. On peut peut-être rappeler ce qui était dit dans l'intro, donc 10% de la population qui émet la moitié des émissions de gaz à effet de serre versus la moitié de la population mondiale qui n'émet que 10%, c'est ce qu'on disait dans l'intro, et puis les fameuses 100 firmes qui émettent 71% des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça a des conséquences sur l'hémisphère sud, qui eux ne profitent jamais des produits de cette production, ou très peu. C'est le 71, mais c'est normal, t'as raison, c'est beaucoup plus logique de dire 71 que 71. J'ai dit 71 ? Oui. Ah oui, c'est écrit en fait. Comme quoi, ça prouve que le JTR est une coproduction qui Exactement. Dépasse les frontières. Donc, comment faire pour justement, on le disait, aller, enfin faire en sorte que cette utopie d'une justice climatique et de rétablir une égalité Nord-Sud ou l'établir parce qu'elle n'a peut-être jamais vraiment existé. Comment faire pour que ça devienne une réalité? En fait, quand les États ont décidé d'agir ensemble pour le climat, l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est d'instituer des responsabilités différenciées. C'est-à-dire de considérer qu'effectivement, les pays riches qui étaient depuis longtemps les plus responsables du réchauffement climatique devaient contribuer le plus à la protection de la planète et du climat. Du coup, dans les accords de Paris, il y a des budgets carbone qui ont été adoptés et on vise à terme une égalité d'émissions carbone par personne. Je vous ai dit tout à l'heure, les écarts au niveau international, c'est de 1 à 27, au niveau français, de 1 à 8. Donc on voit bien qu'il y a de la marge si on voulait tous être au même niveau d'émission. Et donc si les États du Nord font plus que les États du Sud, les pays pauvres, pour protéger l'environnement, alors on irait progressivement vers l'égalité. Mais la question de la pauvreté dans les pays du Sud se pose vraiment d'une manière importante. On sait que, par exemple, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques en plus à horizon 2050 si on continue sur la même trajectoire, sachant que le réchauffement climatique peut à tout moment s'emballer. Et puis, 100 millions de pauvres en plus à l'horizon 2030. Et donc, face à ça, il faut qu'on agisse et on peut agir avec eux. Je vous prends l'exemple aux Pays-Bas, ce qui s'est passé avec l'association qui s'appelle Urgenda, qui a gagné son procès en juin 2015 en demandant aux Pays-Bas d'agir plus pour le climat. C'est la première fois qu'une association gagnait. On avait un exemple déjà avant au Pakistan, hein, pays du Sud, mais pour la première fois dans un pays européen, une association gagnait et a poussé les Pays-Bas à rehausser leurs ambitions. En s'appuyant sur un fait qui est de dire les Pays-Bas sont l'un des pays qui contribuent le plus à la pollution de la planète par tête, par personne, et donc ils doivent faire beaucoup, beaucoup plus, et le juge leur a donné raison.
Donc c'est ça aussi la justice climatique. Exactement. Pour prolonger la question des inégalités nord-sud, je vous propose de regarder cette deuxième capsule qui donc est un petit extrait de reportage de Vincent Verza, partagé c'est sympa, de la COP23 où il était en compagnie d'une jeune soudanaise qui justement évoquait cette question. On regarde ça ensemble. Et il y a des gens ici à cette COP qui savent de quoi je parle. Nifkin. Hey. You're from Sudan. Yes, I'm from Sudan. Why did you come all the way here? To deliver the African youth voice and also especially the Sudan youth voice because we need the climate justice. What does it mean climate justice to you? Africa as all is only responsible for 4% of the emissions. Mm-hmm. And especially Sudan, it's only responsible for 0.008%, but we are having the climate change impact heavily. We started to have drought, we started to have conflicts over natural resources and also dropouts of schools, homeless people, all of this because they work on agriculture and they depend on the natural resources. And also we start to have a very extreme temperature. We started to have 50, 52, 53 degrees wow. Celsius. That's impossible to breathe in. So if we are 50 in 0.9, when we get to, then we will be 100, so we will be boiling. And how do you feel about that? Because this is your future. How old are you? 22. So you're 22. You will see global warming happening. It's not enough to feel something, yeah. I think. That's why I'm here. Mm. Because feelings are for weak, and I'm not weak. Okay. I can do some things, I can deliver my voice, I can participate, so I will do this as much as I can, and I will fight for our justice as long as I live. Awesome. Thank you. Voilà, merci beaucoup Vincent. On est toujours en direct pour ce premier JITER. Nicolas Mérieux est avec nous, Hélène de Vestel et Marie Toussaint. Donc je rappelle que tu es juriste spécialisée en droit international de l'environnement. Exactement. Et que tu as fondé une association qui s'appelle Notre Cause à Tous. Notre Affaire à Tous, qui donc bataille pour que la justice climatique puisse devenir un jour une réalité. Plus une réalité, on va dire, puisque ça existe déjà dans une certaine mesure. Par rapport, justement, à tout ce qui vient de se dire dans les différentes capsules et dans la discussion qu'on a pu avoir depuis que tu as rejoint ce plateau, qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour peut-être conclure ce thème de la justice climatique ? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai parlé déjà des collectivités et des citoyens qui se saisissent du droit contre les multinationales les plus pollueuses, mais on a aussi tout un mouvement de citoyens, et notamment de jeunes, qui saisissent les juges pour aller porter leurs états devant les tribunaux. Alors, on le voit aux États-Unis avec le mouvement « This is Zero Hour » de Jimmy Margolin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une jeune lycéenne de 16 ans, de Seattle, qui a mis des dizaines de milliers de jeunes dans la rue et qui porte plainte avec l'association « Our Children's Trust » contre les États-Unis pour qu'ils appliquent l'accord de Paris et qu'ils protègent les droits des gens. Alors on a parlé des Pays-Bas où ils ont gagné, on a aussi parlé du Pakistan où ils ont gagné aussi, et on a des tas d'affaires de ce type en cours à travers le monde, en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Autriche, et ça se multiplie. L'autre affaire qui a été gagnée, c'était au printemps dernier en Colombie, où de la même manière des jeunes avaient saisi les tribunaux, et non seulement le juge a dit effectivement il faut mettre en place des plans de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans les 4 mois, le gouvernement et les régions de Colombie, mais en plus de ça, on va attribuer des droits à l'Amazonie. Et donc, on est vraiment dans un changement complet de paradigme. Et puis, peut-être la petite dernière, c'est le People's Climate Case. C'est ces 10 familles européennes des îles Fidji et du Kenya qui ont porté plainte contre l'Union européenne pour inaction climatique en disant « Mais en fait, depuis l'accord de Paris, l'Union européenne a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre, n'a pas revu ses objectifs de protection du climat et donc nos droits sont bafoués. » Donc, on ne va pas du tout dans le bon sens. Pas encore du une tout. Fois, c'est absolument. Le hiatus entre le symbole... On va dans le sens contraire. Alors la bonne nouvelle, encore une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 10 familles ont osé saisir le juge. C'est l'histoire de David contre Goliath. C'est ces familles agriculteurs, petits hôteliers dans la montagne, exactement, qui s'affrontent à la grande Union européenne. Elles ont eu le courage de le faire. On a une famille de lavandiculteurs en Provence, dans la Drôme provençale, qui elle dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent du fait du réchauffement climatique. On a des éleveurs de rennes en Suède qui disent qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs rennes parce que le lichen n'arrive plus à pousser sur la glace. On a des petits hôteliers de Roumanie, d'Italie ou d'Allemagne. Et en fait, ces gens-là ont décidé d'agir ensemble. Et je trouve qu'on peut y voir une belle source d'espoir. Donc oui. De l'espoir.
de l'espoir, voilà, c'est déjà voilà, quelque chose. L'espoir, voilà. Et symbole pour ceux qui veulent l'espoir. Les soutenir, il y a de la vie. Pour ceux qui veulent les soutenir, on cherche des signatures, on est déjà plusieurs centaines de milliers, enfin un peu plus de 100 000 en réalité, mais vous pouvez aller sur le site de notreaffaireatous.org et il y a un petit bouton « Je soutiens les familles » et donc c'est à vous. Et c'est à toi, Vincent, aussi, d'éventuellement... Ah oui, tu as vu, hein, j'essaie de contenter tout le monde, ce qui est ontologiquement impossible. Donc, Vincent, peut-être une dernière intervention avant de refermer déjà ce premier JTR. Tout à fait. De nombreuses personnes se posaient justement la question de la possibilité d'action de groupe pour faire avancer les choses. Et je pense que beaucoup de personnes vont donc être satisfaites d'entendre ces bonnes nouvelles. C'était bien samedi. Oui, c'était très très bien. Par contre, il y a de grosses questions sur, par exemple, l'antiglyphosate, où on se dit, voilà, 1 million de signatures balancées à la poubelle par un coup de balai d'un avocat, c'est compliqué. Et on a envie de nommer aussi des coupables, chercher des vrais responsables, et ça encore. Et les pendroyer courts, c'est ça que tu dis, Vincent ? Les pendroyer courts. Je dirais simplement que, voilà, par exemple, Martine nous nomme les 3 B de l'Afrique, Bolloré, Bouygues et Bernard Arnault. S'il faut trouver des gens à poursuivre, je pense que certains de nos auditeurs ne seraient pas contre. Ah, donc voilà, soyons peut-être un peu plus concrets. qui on va pendre ? Voilà, qui on va pendre demain en place, avec une corde bio, recyclée, sans gluten. Non, mais très sérieusement, par rapport à ce que Vincent vient de faire remonter des questions du public, la question de Vincent, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut mettre les 150 000 personnes qui étaient dans la rue samedi derrière une plainte collective, une action de groupe collective contre quelqu'un, on ne sait pas bien qui. C'était ça, Vincent ? Oui, tout à fait. Merci. Contre les multinationales ou contre les États, hein, finalement, c'est un peu ça la question. Alors les États, ce qu'on leur demande, c'est de protéger nos droits et de réguler l'activité des multinationales. Et donc finalement, ça va ensemble avec le fait de demander aux multinationales de payer pour ce qu'elles ont produit. Alors oui, on peut tout à fait imaginer des actions de groupe. Alors les actions de groupe en France, c'est quand même pas encore tout à fait ça. Ça date de pas longtemps. Finalement, c'est pas très éprouvé, c'est pas très testé. Mais oui, on peut tout à fait imaginer le faire. Alors après, ce que ça nécessite quand même, c'est qu'on aille préciser le préjudice ressenti par chacun d'entre nous. Par exemple, pour vous, ça peut être le fait de se dire « j'ai un préjudice moral, j'ai trop peur de faire des enfants parce que je sais qu'ils vont naître et grandir dans une planète pourrie. » C'est pour ça que je compte adopter. C'est vrai, ça, on peut aller le défendre devant les tribunaux, exactement. Mais par contre, ça prend plusieurs années. Mais s'il y en a qui sont motivés pour le faire et qui vous écoutent ce soir, qui nous écoutent ce soir, ils peuvent tout à fait nous contacter sur notre site internet. Nous avons aussi un appel à témoins et on va travailler avec les témoins pendant tous les mois qui viennent. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez aider, éventuellement encadrer des personnes qui voudraient, par exemple, faire comme ce jardinier américain, porter plainte contre Monsanto et éventuellement remporter 300 millions de dollars, c'est une chose, mais surtout faire avancer la question de la justice climatique. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de demander à ce que des mesures soient prises et que quand il y a de l'argent qui soit dégagé, il soit versé dans la réparation des dommages causés à l'environnement. La deuxième chose quand même, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et pour prouver le lien scientifique entre le réchauffement et le préjudice et pour préparer les papiers juridiques. Donc il ne faut pas se dire que demain, vous venez sur notre site et puis paf, ça sort d'un coup. Mmh. On a beaucoup de travail devant nous. Mais vous pouvez filer un coup de main. Mais on peut tout à fait filer un coup de main et au contraire, c'est l'un des sujets sur lesquels on a beaucoup envie de travailler dans l'année qui vient. Donc vous retenez, si vous voulez attaquer Monsanto, Bolloré, Bouygues et tous les autres en justice, Lagardère, pourquoi pas. Et peut-être une petite suggestion, l'une des pistes sur lesquelles on travaille, vous savez que si on veut bloquer, arrêter le changement climatique, il faut laisser 2/3 des énergies fossiles aujourd'hui connues sous le sol. Ça veut dire que non seulement il faut arrêter de produire du pétrole, d'aller en chercher, mais il faut aussi arrêter d'aller en découvrir et d'aller regarder où est-ce que il y a du pétrole en plus. Eh bien, peut-être que l'une des firmes, les plus grandes firmes pétrolières du monde, Total, qui est une firme française, on pourrait peut-être lui demander, en s'appuyant sur le droit français, d'arrêter tout simplement d'aller chercher du pétrole sous la mer ou sous la terre. Et Nicolas, est-ce que tu... Non, mais appelons-le. Moi, je suis d'accord, directement. Est-ce qu'on a le numéro de ce monsieur? Non, peut-être pour le prochain JTR. Merci beaucoup, Marie Toussaint, d'avoir merci été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que demain, sur la page du JTR, vous aurez tous les documents, toutes les sources, tout ce que j'ai là sous les yeux comme un sale tricheur depuis le départ. Eh bien, vous les aurez demain sur la page du JTR, ainsi que les liens dont parlait Marie pour la contacter et pour lui demander de vous faire un dossier béton contre Monsanto. Merci beaucoup, Marie. Peut-être tu peux rester avec nous le temps qu'on regarde ensemble la dernière séquence de ce JTR, qui est une séquence positive. Et pour cause, elle nous est offerte par Positiver.
que vous connaissez sans doute. On est d'ailleurs en direct sur Positiveur pour l'instant. On peut saluer les lecteurs. Les Positivons. Les Positivons. Merci d'être avec nous, tous les Positivons. On va regarder donc la séquence de Harold Paris, fondateur de Positiveur, le bol d'air du JTR. Les infos positives pour terminer ce JTR. On regarde. Ça fait du bien. Compte pilote, c'était trop bien. Puis c'est pas fini en plus. C'est à toi maintenant. Bonjour à toutes et à tous. En conclusion de ce premier JTR, je vous propose de revenir sur quelques actualités inspirantes de ces dernières semaines et autres rendez-vous qui pourront sans doute vous intéresser. Parce qu'on peut aussi trouver des raisons de se réjouir, voici le bol d'air du JTR, c'est parti. Le 13 août dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a accepté d'examiner une plainte déposée en mai par 10 familles mettant en cause la passivité des États membres face au réchauffement climatique. Une plainte visant directement le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour objectifs climatiques 2030 inadéquats, ce qui implique une incapacité de l'Union à protéger ses citoyens des conséquences du changement climatique. L'objectif de cette plainte, provoquer un électrochoc, forcer les autorités et les États membres à agir et à être plus ambitieux sur les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dont les plaignants sont déjà victimes. La plainte a été jugée recevable, et ça, c'est un premier pas qui pourrait s'avérer historique. Affaire à suivre pour que l'ambition et les actions de l'Union européenne soient concrètement en accord avec l'urgence de la situation. Plastique. La Dominique, nation insulaire des Caraïbes de 754 km², a décidé de porter haut le flambeau de la lutte contre le changement climatique, et plus particulièrement contre la pollution plastique. Dès le 1er janvier 2019, l'île deviendra le premier État à interdire complètement les objets en plastique à usage unique et les récipients de polystyrène. Surnommée l'île nature, la Dominique a pris cette décision pour la protection de son environnement et de la vie marine, mais aussi dans le cadre d'un plan plus vaste. Son ambition ? Devenir la première nation au monde résistant au changement climatique. Une première étape donc, et un beau projet qui ne demande qu'à faire des émules. Agenda. Le 15 septembre prochain, c'est le World Cleanup Day. Il s'agit d'un événement mondial, une énorme opération collective de ramassage des déchets et nettoyage de la nature sur tous les continents, dans 150 pays, le même jour. L'idée, inviter tous les citoyens du monde à mettre la main à la pâte pour donner un grand coup de ménage et éveiller les consciences à la problématique des déchets qui envahissent notre environnement, souillent nos sols et encombrent nos océans. Avec des millions de participants, le World Cleanup Day pourrait bien devenir le plus grand mouvement citoyen de l'histoire. Envie de participer, de rejoindre le mouvement et de faire votre part? Sur le site du World Cleanup Day, vous pouvez retrouver une carte interactive qui liste tous les événements et opérations de nettoyage prévues ce jour-ci. Un événement qui doit à tout prix être à la hauteur de l'enjeu. Alors ce 15 septembre, on passe un coup de balai géant sur la planète. Et voilà, je rends l'antenne. Enfin, le live. Ciao. Bon, ben, je trouve plus ma pomme maintenant. Ma pomme, c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi, grâce à toi. Merci beaucoup, Harold Paris. Merci pour ce bol d'air. Le téléphone sonne, tiens, dis donc. Je suis persuadé que c'est Vincent Verza. Allô ? Allô ? Eh ben voilà, j'avais raison. C'était Vincent Verza. Oui, attends, mais tu peux garder le combiné, moi. Ah bon, salut Nico, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bah t'as l'air d'avoir chaud, en tout cas, l'espace tout, c'est plus froid. Pas du tout, hein. Je viens de sortir de la douche, uniquement. Merveilleux. Je peux vous dire qu'en tout cas, les gens sur le net, ils sont chauds, hein. Depuis qu'on leur a parlé de la possibilité de porter plainte contre un État, tout le monde veut porter plainte contre l'État français. Tout le monde veut faire un procès pour crime contre l'humanité. Les gens sont motivés, hein. Et donc, est-ce qu'il y a une remarque, une question en particulier que tu voudrais nous transmettre ou juste nous faire des gros bisous et nous féliciter pour ce premier JTR qui s'est plus ou moins bien déroulé ? Il y a une question malgré nous, elle revient, c'est quand est-ce qu'aura lieu le prochain JTR alors ? Ah ah ! Eh bien, je peux peut-être me permettre d'y répondre. Réponds-y. On ne sait pas encore vraiment. Ça va dépendre de pas mal de choses, notamment... oui, alors merci Vincent... Ça suffit, c'est formidable. C'est une question qui mérite d'être posée, qu'on se pose aussi. Normalement, le JTR aura lieu tous les mois. Donc tous les mois, on fera une espèce de bilan de l'actualité du mois, en remettant en commun tout le travail abattu de chaque partenaire, toutes les forces vives, toutes les informations qui auront été traitées. Pardon. Chinées même, on peut le dire. Avec peut-être une certaine... Dextérité, une belle approche. Une façon de baguenauder que je trouve pas dégueu. Ah, voilà, il nous impressionne. Voilà, formidable. Donc, le JTR aura normalement lieu le mois prochain si on y arrive. Si on n'y arrive pas, ne vous en faites pas. On fait tout pour pouvoir être techniquement en proie à en faire
tous les mois à partir de janvier. Donc à partir de janvier, il y aura un JTR tous les mois, c'est sûr. Si on n'arrive pas à le faire le mois prochain, pas de panique. J'espère que vous serez en tout cas nombreux à nous suivre dès qu'on sortira un nouveau JTR. Et justement, en parlant du JTR, il faut remercier pas mal de personnes parce qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais dans ce petit studio, on est vraiment très très nombreux. C'est aussi pour ça qu'on surchauffe et qu'on dégouline. Merci évidemment à la production. Merci à François Legrand qui s'est démené depuis des mois pour que ce JTR puisse exister. Merci aux Parasites qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Bon, Guillaume, merci. Jérémy, Arnaud qui a fait le générique. Les Parasites, vraiment, vous les connaissez pour la plupart, ils sont vachement forts, mais là, ils nous ont épatés sur le JTR et c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec eux et chez eux en plus. Merci à toute l'équipe de rédaction, Pierre Paulus en particulier qui a écrit énormément de séquences et de parties de voix off que vous avez pu regarder ce soir. Donc Pierre Paulus, Stéphanie, Laurie, Juliette, Victor, toute l'équipe rédac, Elias évidemment, Elias, le si précieux Elias, et toute l'équipe technique qui est là un peu partout et qui vrombit et qui nous a permis de faire quelque chose de quand même pas dégueu, j'espère. Et t'as fait tout ça sans, sans fiche, je suis très fier de toi, vraiment. Bah, je te remercie, mais j'aime charnellement certaines personnes, donc fatalement je me souviens plus particulièrement. Donc, merci à toutes ces personnes, merci à vous d'avoir suivi le JTR, et surtout n'hésitez pas à nous aider sur le Tipeee du JTR, parce que s'il y a eu quelques problèmes techniques, on s'en excuse évidemment, n'hésitez pas à faire en sorte que le prochain JTR soit beaucoup plus calibré, qualitatif, en nous faisant un don sur Tipeee, de préférence un don mensuel, 1 euro, 2 euros, pas de problème, un petit café tous les mois, ça nous aide énormément et ça nous permet de faire un JTR tous les mois qui sera, je pense, pérenne. Qualitatif. Qualitatif. Surtout, si tu es présentateur, d'ailleurs, on tient au nom de toute l'équipe à te remercier, à te féliciter pour ce beau travail de présentateur, Félicien. Ben, c'est très aimable de votre part, et du coup, comme il m'a passé la brosse à reluire, je vais vous rappeler que ce garçon joue à Lyon ce week-end, dans un festival, il fait son spectacle, n'hésitez pas à aller le voir. Je suis vraiment dans la merde, j'ai 300 places à remplir, il y a 50 résas. Voilà. T'avais dit venez 40 avant. Ouais, mais je monte un peu. Il y en a eu 10 comme ça en 10 minutes. Mais ouais, ça va vite, hein, c'est YouTube. Donc, ça... Nicolas Mérieux à Lyon ce samedi. Week-end. Merci à Mathieu Duméry, merci à tout le monde, je sais pas si tout le monde oui. est là. Ah oui. Voilà, formidable, on espère vraiment vous retrouver très bientôt pour un prochain JTR, et n'hésitez pas à nous suivre sur la page du JTR pour rester au courant. À très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao. Merci.